trois types de biens ont un point commun, ils sont représentatifs d'une défaillance du marché. Une défaillance du marché est une situation dans laquelle la régulation par le marché n'aboutit pas à la même meilleure situation pour tous. Autrement dit, la recherche du bien-être maximum n'aboutit pas au bien-être social. Ainsi, la main invisible d'Adam Smith est remise en cause. L'intérêt individuel n'aboutit pas toujours à l'intérêt collectif.